bam, vous avez tout de suite du coup l'image bam, incroyable et tout. Tartine qui traîne ses chotos, incroyable. Du coup ça commence tout de suite, oula, ça m'énerve d'avoir des petits freeze actuellement. J'espère que ça va pas trop durer, je suis sincèrement désolé, de toute façon la VOD sera en bonne qualité, vous en faites pas. Enfin bref, donc ça commence tout de suite et tout, donc c'est vrai que c'est un personnage très agressif, Bowser globalement, et c'est vrai que face à un personnage comme Sora qui a des bons projos et tout, qui peut avoir prendre un peu de distance grâce à son épée, grâce à sa portée et tout. Ouh, attention, il fait les bons dégâts sur le bouclier. Mais il est toujours très au point Furamo globalement sur cette mission, il est vraiment pas mal là-dessus. Enfin bref, tac, petit B, bam, rope. On garde le contrôle du terrain, Furamo il est vraiment impérial là-dessus. Vraiment quand il a le contrôle du terrain, quand t'es au ledge, t'as l'impression d'être en prison, t'as juste des barreaux devant toi et tu peux pas en sortir. Donc c'est vrai que ça fait peur toujours. Attention, ouh, il se fait toucher de derrière par le coup d'épée, pourquoi pas. En tout cas c'est vrai, c'est pas mal. Là, pour l'instant Juvito il reste à 6 even pourcent, mais faut pas oublier que c'est un personnage très léger contre un personnage très lourd. Donc even pourcent ça veut rien dire du tout. Et donc pourquoi pas un peu d'autres smash comme ça, un peu greedy, un peu audacieux de le faire à cet endroit là. Ça ouais, Juvito, pas mal le ledge trap et tout, bon dash shield, histoire de pouvoir garder un peu le contrôle du terrain et tout, puis on utilise bien les bons projos au bon moment, c'est pas mal. Oh là oui, il y a déjà les étoiles alors qu'on est sur Bowser. Bon après c'est destination finale, hein, le terrain est pas très haut. Et on est sur destination finale en version BF, c'est vraiment dégueulasse. Bah, BF en version destination finale plutôt, c'est ça. Et c'est immonde. Enfin bref, voilà, toujours le bon positionnement et tout, incroyable. Et là, il a quand même déjà pris 167%, il se débrouille très bien Juvito, hein. Vraiment il met des bons dégâts, attention c'est ça, un peu trop visible le back air. Et derrière on va se faire punir, voilà. Il a pas forcément fait une très bonne DI là-dessus, mais c'est pas grave. Il est toujours possible de revenir et tout, sachant qu'en plus c'est un bon key power globalement, notre cher Sora. Donc globalement il devrait pouvoir faire quelque chose. Malheureusement il fait un peu les projectiles des fois, un peu piffé, un peu au mauvais endroit, danger au mauvais endroit, et tac, c'est pas mal. Un bon EB, clairement en vrai il était bien utilisé pour juste tuer en l'air et tout, très bien fait. Et du coup ça permet déjà de prendre enfin la première stock. De pas prendre trop de retard, c'est un peu la question. Attention, c'est bien, grâce au petit neutral air, on arrive à dashback un petit peu en l'air, histoire de pas se prendre le downer. Mais d'ailleurs, on s'est pris un bon F-smash, toujours, ouais, fuck Bowser, parce que Bowser, c'est Furoser. Oh, vous ici. Alternative pour le stream ou quoi? Je pense qu'on va attendre que le set se finisse, et puis après, je vais... Ok, parce que là, t'es en record? Oui, c'est ça, pour l'instant, c'est un stream. Ouais, non, on a les deux streams, mais c'est vrai que la connexion n'est pas idéale. D'accord. Genre c'est mieux si on a la tienne quoi. Je disais donc, attendez, je continue un peu le commentary, on a quand même un peu là pour ça. Donc globalement, il met une bonne pression sur le bouclier, mais faut pas oublier qu'on a Bowser, on a une bonne sortie de bouclier, ça fait des gros dégâts et ça sort vite, du coup bon down smash, hein, vraiment très très bien trouvé, qui permet déjà de prendre une bonne petite avance, sachant qu'on creuse, oh là là, petit jab lock into down B, magnifique, ça permet de prendre des gros dégâts et bam, un petit smash, voilà, simplement, audacieux, et tout, on met des grosses baffes, c'est un plaisir, et du coup, bah, pour l'instant, Furamo qui gagne ce premier match, il se met très très bien même. On va partir du coup sur le deuxième match. J'écoute un peu vite fait les bans de stage et tout, les bans TCE. Lylat, Tori. Ouais, c'est ça. Donc on part sur PS2, terrain grand qui peut vraiment bien être bon pour probablement parce que profiter de sa mobilité, profiter un peu de tous les projos à utiliser. Donc en vrai ça peut être hyper intéressant. Et éviter de pouvoir un peu zoner Bowser, même si Bowser ça va très vite et ça peut. Quand ça rentre dans ton jeu, quand ça rentre dans ta phase, et bah ça met des bonnes phases qui font très mal. Donc game 2, c'est pas comme la game 1, il va pas se faire de stock. C'est assez dommage parce que clairement il avait joué assez bien, mais juste une fois il s'est pris une grosse phase et derrière il a pas réussi à s'en relever. Donc à voir. Et donc pour l'instant, bam, petit forwarder, on arrive à trouver un bon positionnement, on n'arrive pas forcément à trouver les bons combos starters, c'est assez dommage du côté de Juvito. En vrai, ouais, c'est assez dommage, petit up throw into forwarder, into double forwarder, c'est jamais trop, attention. Voilà, c'est bien, on profite de Sora, de Sariko, incroyable, pour ne pas se prendre. Il n'y a pas le son du jeu, oui, du coup, je suis désolé, Iluya, il n'y a pas le son du jeu parce que Furamo a branché ses écouteurs. Et sur le setup de stream, du coup, il n'y a pas le son du jeu à cause de ça. Mais c'est pas grave, il y a ma voix, il y a tout ce qu'il faut.
Oh là là, il trouve les bons combos, mais attention, derrière on a Bowser, bah oui, combo, tu fais pas un multi-hit sur Bowser, parce que bah, le tough guy, c'est une mécanique assez horrible à voir, et bah ouais, clairement ça fait pas plaisir. Bam, on trouve les bonnes petites, on trouve les petits combos, attention, on utilise bien les projos, mais malheureusement, bah, c'est Bowser, ça tue pas, ça meurt pas. Passer derrière, oh là là, attention. Il arrive un peu à passer derrière, je suis désolé pour la qualité des streams qui avait un peu de en saucisson actuellement. Mais derrière, du coup, on arrive à trouver un petit repère pour tuer. Magnifique, et du coup, on égalise au niveau des stocks. Pas trop de retard pour l'instant pris. Même clairement, on se met bien. On trouve les petites ouvertures. Furamo qui arrive pas à passer ce mur qui est Juvito pour l'instant. Mais quand il arrive, il fait des bons dégâts. Alors, le jab into side B, incroyable. Merci à tous. Oh, le backer, il tuait genre 50. Il tuait deux villes. Il en tuait pas une seule. Waouh. Oh, les gros dégâts qu'il lui met. C'est pas grave. On est even pour l'instant. Tant qu'il n'y avait pas à se prendre de grosses phases, clairement, ça devrait aller. Attention, on se retrouve encore une fois hostage. Et malheureusement, Furamo, il s'adapte bien. Et il va directement chercher le Juvito qui remonte un peu trop haut. Juvito qui profite pas de tous les potentiels de son personnage. Qui peut lui permettre d'aller très loin en l'air et tout. Donc, ouais, c'est vrai que c'est assez dommage là-dessus. Mais bon, c'est pas très grave. C'est jamais perdu. On a juste une stock à rattraper. Il est 120% sur un Bowser. Ça se fait. Ça se fait clairement. Surtout qu'on a trouvé une petite up tilt. Clairement, on peut faire des gros dégâts, pam, petit neutral B, on se fait plaisir, mais on arrive toujours un peu à corner, mais malheureusement, il arrive souvent à passer derrière sa caisse, dommage. Ouh, très bon confirme, le neutral air into up smash, simplement. Magnifique, qui du coup permet de prendre la deuxième stock, incroyable, et du coup, là, waouh, magnifique, on est even sur le deuxième game. Mais derrière, attention, on peut voir Bowser qui met des gros dégâts, c'est ça. On arrive à bien dashback pour éviter le side B de Bowser parce que ça fait mal, ça fait des gros dégâts. Et puis, on se prend le petit down B, incroyable, magnifique. Et vraiment, Juvito sur des ouvertures, clairement, il peut mourir. Il est à 4% pour l'instant, donc ça peut faire super peur là actuellement. Tant que Juvito ne se prend pas de phase, il va aller bien. Mais attention, c'est ça, on trouve les petits neutres à l'air, bam, on fait des combos. Attention, les side B sont beaucoup trop greedy à les faire à ce moment-là. Ils sont pas du tout trous, ils sont... Heureusement qu'il n'est pas revenu directement, sinon ça fait une grosse phase, une grosse ouverture. Et derrière, malheureusement, la miss input into le smash côté. C'est vraiment dommage, et du coup, ce qui permet à Furamo de remporter le deuxième match. On va juste faire une légère pause. On va...